Alors voilà, toutes les images sont sélectionnées. On va aller dans menu fenêtre, objet interactif, état d'objet. État d'objet. Et donc on va faire un objet à état multiple, c'est-à-dire que toutes les images là, les 8 images, vont être regroupées dans un système qu'on appelle un objet à état multiple. Donc, comme on vous l'indique, vous cliquez sur le petit bloc de feuille et voilà. Vous pouvez agrandir la palette état d'objet. Vous voyez les différents états. C'est l'ordre des images dans votre diaporama. En fait, c'est l'ordre dans lequel elles étaient empilées. Mais ça peut encore se changer. On peut encore prendre une image et la mettre plus loin. Voilà, changer ça. Ok. Ah ben je vais. Oui. Peut-être la mettre au-dessus, celle-là. La même Celle-là. pratique pour les calques. Voilà, c'est un peu comme une mini palette des calques, en effet. Voilà, ce sera sympa de commencer par ces bestioles qui volent ensemble, joyeusement. Voilà, donc on a, si on regarde dans la palette des calques, on a normalement un objet. Voilà. Objet à état multiple. Voilà. Oui, il n'y a que ça sur la page 2. Il n'y a que ça comme objet sur la page 2. C'est le seul objet, l'objet à état multiple. Parce que ceci, ça vient du gabarit. Ça n'apparaît pas en tant qu'objet sur dans la palette des calques quand je suis en train de travailler sur cette page 2. On est d'accord, hein? Tant que ce n'est pas déverrouillé, ça n'apparaît pas. Alors voilà, on va faire une flèche qui va vers la gauche, une qui va vers la droite. Donc vous allez pouvoir reprendre l'outil polygone si vous voulez. Si on avait plus de temps, je vous demanderais d'aller chercher des flèches sur le web, mais voilà. Alors, sans enfoncer la touche majuscule en traçant comme ça. La dernière fois qu'on avait cliqué avec l'outil polygone, on avait choisi trois côtés. Donc du coup, quand je prends l'outil polygone et que je trace, ça me fait un triangle. Voilà. Je le tourne avec la touche majuscule. Je l'agrandis. Je le bouge là. Je le duplique. Je le tourne avec la touche majuscule. Bon, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, à peu de choses près. La différence ici, c'est que le triangle, je l'ai tracé directement par un clic et glissé, plutôt que par un clic. Donc voilà les deux flèches qui vont permettre de naviguer dans le diaporama. C'est pas génial comme interface utilisateur, mais voilà, c'est techniquement, on va voir comment ça fonctionne. Elles doivent être.